Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévision. Merci de votre fidélité. Moïse, ça va? Bienvenue à ce dernier numéro de la semaine. Tu vas bien? En forme, merci. Quelles sont les nouvelles ce matin? Les nouvelles, elles sont moyennement bonnes. Goma va très bien, monsieur les journalistes. Goma va très bien, Goma fait de l'eau, c'est ça? Effectivement, Goma fait de l'eau, c'est la demande aujourd'hui de toute la population à l'égard effectivement de l'autorité régulateur de l'eau, qui n'est autre que la régie des eaux. Donc il y a une pénurie, il y a une carence en eau dans la ville, et nous sommes entrés d'en appeler la régie des eaux à pouvoir tout faire pour que la population soit desservie en eau potable. Et nous osons croire, à travers effectivement la réaction des responsables de la régie des eaux, que d'ici là, la situation va être rétablie, faute de quoi nous allons exiger le départ du directeur de la régie des eaux. Que nous saluons parce qu'il ne cesse de multiplier les efforts. Oui, nous espérons qu'il va faire des sommiers. S'il ne les fait pas, on va les chasser. 6 otages ont été libérés vendredi à Beni, au nord, qui vous parle, les armées coalisées ougandaises et ougandaises et congolaises, FRDC et PDF, de l'emprise en tout cas du groupe armé ou groupe terroriste ADF MTM d'origine ougandaise opérant dans l'est de la République démocratique du Congo. Voilà, les deux armées ne cessent de manifester ou de démontrer leur, en tout cas, bravo sur terrain. Voilà qu'il y a eu des otages qui ont été libérés grâce à une opération conjointe FARDC et PDF à Beni. Bon, ça c'est une goutte d'eau dans l'océan. En fait, l'UPDF, en dépit de ce qu'il peut avoir fait pour le cas de Figuire, elle est en tout cas inefficace. Et nous sommes de ceux-là qui continuent à demander le retrait de ces troupes, parce que effectivement, plusieurs mois après, les bulles des opérations conjointes UPDF-FRDC, il est tellement mitigé. Voilà pourquoi, messieurs les journalistes, nous sommes en train d'en appeler au gouvernement congolais, à son excellence, messieurs les présidents de la République, Félix Tshisekedi, à pouvoir rompre le mariage avec l'UPDF et laisser les forces armées, le FRDC, le vaillant militaire de FRDC, se battre au niveau du Grano et exiger effectivement le départ des troupes de l'UPDF. Nous les remercions pour les coups de main qu'ils nous ont donnés, mais nous sommes quand même conscients de l'ineffectivité ou du moins de la faiblesse ou de l'inefficacité de leurs opérations, quoi. Mais quand même, vous savez que ça a produit quelque chose dans les Beni Ituri. Effectivement, ils n'ont rien fait pour dire qu'ils ont fait zéro, mais quand même, ils sont en dessous de la moyenne. Voilà pourquoi nous demandons leur départ. Chers responsables de l'UPDF, merci pour les coups de main. Le peuple congolais ne veut plus de vous. S'il vous plaît, tâchez de quitter les sols congolais. En toute quiétude, avant que l'on ne se venge ou l'on ne vous chasse avec toute la rugueur possible. Alors, les Ougandais traquent leurs frères terroristes ADF, c'est ça? Est-ce qu'ils se connaissent? Ils ne les traquent même pas, monsieur les journalistes. Il y a une branche de l'UPDF qui paraît un peu très réservée face aux rebelles, certainement aux rebelles des ADF. Mais il y a d'autres qui font preuve, en tout cas, de la bravoure et qui les traquent. Donc, il faut faire la part des choses. Et c'est pourquoi nous disons que effectivement ils ont fait quand même quelque chose. Ce n'est pas d'inéant, mais c'est insuffisant, et nous remercions, en tout cas nous les remercions pour ça, et nous les demandons de partir chez eux. Est-ce que pensez-vous que les FARDC, ou l'armée congolaise elle-même, elle est capable de finir cette question? Mais absolument, nous avons des militaires habiles.
Nous avions des militaires braves, monsieur les journalistes, avoir même leur état physique, ça s'est fait constater. Tout ce qui nous manque, effectivement, c'est de les armer, de les encadrer très bien et de leur donner des moyens suffisants. Je ne pense pas, en tout cas, que l'Ouganda puisse avoir quelque chose de spécial que nous. Mais c'est les gens, nous avons tout ce qu'il nous faut ici et gagner cette guerre ou mettre en déroute les rebelles des ZDF, ça nécessite tout simplement de la part du gouvernement ce que j'appelle la bonne volonté et le moyen aux côtés de nos militaires. L'UPDF n'a rien de spécial, monsieur le journaliste. Mais c'est l'une des armées fortes en Afrique. Mais nous les dévançons. Nous les dévançons, voilà comme vous le dites, mais ça n'exclut pas qu'ils viennent. C'est pourquoi nous sommes en train de les remercier pour ce qu'ils nous ont fait en termes d'aide. Après, il n'y a pas de cadeau. Il faut reconnaître qu'ils nous ont aidé. Il y a eu des contreparties, bien que le gouvernement ne les dit pas explicitement. Mais je ne pense pas que ça soit une aide gratuite. Hein. L'UPDF est venu ici, mais il y a d'autres concessions qu'on a faites avec les pays des Mousséveni. Ça veut dire que, après tout, c'est normal entre les États. Il n'y a pas un État qui peut déployer ses éléments dans un autre sans qu'il y ait quelque chose en contrepartie. Mais là n'est pas le débat. Le débat, c'est dire le bilan, il est mitigé, il est inefficace et il faut revoir les choses. L'UPDF doit rentrer. D'accord. On parle également de cette manifestation à laquelle tu as pris part. On a vu des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, une centaine de personnes déplacées ont protesté hier vendredi matin à Goma pour appeler à la fin, en tout cas, des violences dans l'est du Congo. Ces manifestants réclament notamment aux rebelles du M23 d'enterrer la hanche des guerres. On a vu en tout cas les gens dans la rue avec Calico. Qu'est-ce que nous retenons de ça? Effectivement, soutien total à tous les déplacés de guerre. C'est un sentiment qui nous a animés et qui nous a poussés à les accompagner dans la rue, parce qu'il ne faut pas juste rester dans la rhétorique et théorique, mais il faut passer par l'acte, il faut agir. Et je suis parmi les activistes qui sont partis apporter leur coup de main aux déplacés. La marche qui est partie de Kisi, passée par Mutinga jusqu'au gouvernorat des provinces, où un mémorandum a été lu et déposé au gouverneur, au vice-gouverneur. C'était donc pour moi une réussite et pour les déplacés, le message il est clair, les déplacés de guerre appellent les autorités congolaises à imposer l'autorité de l'État dans les zones sous contrôle ou les zones qui sont sous les exactions des rebelles du M23. Les déplacés veulent voir leurs enfants, nos enfants alors, parce qu'il y a aussi certains de mes familiers même, nous voulons voir nos enfants reprendre les chemins de l'école, messieurs les journalistes, les déplacés effectivement à court terme, continue à avoir ces besoins-là d'être assistés côté humanitaire et sanitaire, mais ce sont des pistes à court terme. À long terme, il faut qu'ils rentrent chez eux. Ils ont des chats, des vastes champs, et ils ont tout ce qu'il leur faut chez eux. Donc le gouvernement doit tout mettre en œuvre pour que nos mamans puissent rentrer chez elles. Et l'action d'hier, elle a été en tout cas très significative et symbolique. On a remis le mémorandum. Le conseil des ministres s'est passé à l'instant. Le vice-gouverneur a scanné à la minute et le conseil des ministres a pris acte du contenu de notre message. Donc, c'était une action réussie pour notre part. On prépare une deuxième. La deuxième, ça sera encore. En tout cas, l'équipe est en train d'y travailler. On va faire une évaluation et une projection. Nous fixerons l'opinion par rapport à la suite. Merci beaucoup. J'en parle également de cette tenue annoncée d'une table ronde à Kinshasa sur l'état de siège à Ituri et au Nord Kivu. La table ronde, en tout cas, va tabler sur l'avenir de cette mesure exceptionnelle décrétée pendant plus de 2 ans au Nord Kivu.
Le président Tshisekedi d'Ivoire, il faut rappeler, avait décrété l'état de siège dans les deux provinces de l'Est pour, en tout cas, éradiquer les groupes armés qui pillent dans les deux provinces et aussi mettre fin aux violences armées. Moïse, qu'est-ce que vous attendez de la table ronde annoncée? Je crois que c'est pour... C'est 14. 16, 16 au 18. Effectivement. C'était une table ronde tant entendue par la population du Nord-Kivu et de l'Ituri. Nous sommes parmi ceux-là qui l'ont demandé depuis belle lurette. Ouf de soulagement parce que le gouvernement vient effectivement d'approuver la demande des mouvements citoyens, de la société civile et de toute la population. Évidemment, il y a des options qui sont déjà évoquées par le gouvernement. Trois options. La première, c'est celle, effectivement, de maintenir cet état de siège en perte de vitesse sous un bilan mitigé. La deuxième, c'est celle, effectivement, de pouvoir requalifier la mesure. Et la troisième, c'est de la lever. Et nous, côté Lucha RDC, nous avions levé l'option et notre position, elle est celle, effectivement, consistant à la levée de l'état de siège. Nous sommes très heureux parce que c'est en tout cas la position partagée par pas mal d'acteurs issus de la société civile. Autre chose que nous attendons à travers cet état de siège, il y a un de nos amis, un vaillant militant qui est en prison jusqu'à aujourd'hui parce qu'il avait critiqué l'état de siège et demandé l'instauration de l'autorité de l'État dans la province Nord-Kivu. En tout cas, il n'y a rien en termes d'outrage à l'armée. Je suis à votre disposition pour faire ce débat-là et vous donner un peu l'économie de l'article 87 du Code pénal militaire congolais qui essaie un peu d'éclairer. Alors, nous, notre recommandation, c'est de voir aussi Mwami Sion, Dungo King, prisonnier de l'état de siège, être libéré. Nous avons un cahier des charges très bien musclé, très bien travaillé et qu'on appelle l'andimamétrie. L'andimamétrie, ça veut dire l'évaluation de la lucha par rapport à l'état de siège et nous voulons déposer ça à qui des droits. Il reviendra prochainement, mais il faut rappeler en tout cas votre militaire que vous parlez ici est poursuivi pour outrage à l'armée. Ce qui n'a pas été démontré. Non, c'est démontré parce qu'il a été condamné. Injustement. C'est un dossier déjà clos. Il a été condamné. Il n'est pas encore clos parce qu'on est en procédure avec la Cour de cassation, monsieur le journaliste. Il faut seulement prier pour lui pour qu'il passe. Prier. On parle des affaires d'État. Vous parlez de la prière, monsieur le journaliste. S'il vous plaît, parce qu'il a été condamné et lui a purgé sa peine dans la prison. Nous avions saisi la Cour de cassation. Il a voulu désorienter la population. Ça, c'est vous qui le dites. C'est ça. Non, c'est pas moi, c'est la justice. Alors, mais nous, on a saisi la Cour de cassation. On a saisi l'état de siège, monsieur Moïse. Ça va, ça va. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que nous tendons vers la fête tragique prématurée de l'état de siège? Ce sont vos mots, je vous les concède. Moi, tout ce que je sais, c'est que, et c'est mon vœu, c'est que Moïse Ang, il est philosophe, voudrait, c'est la levée de l'état de siège. Tragique ou l'inverse? Bon, cherchez les concepts qui vous arrangent. Nous, on veut juste qu'on lève l'état des sièges parce qu'on estime que il n'a pas donné les résultats escomptés. Évidemment, le militaire Excellence Ndima Kongba et tout son gouvernement des militaires, ils ont fait de leur mieux. Et la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a, mais les résultats escomptés n'ont pas été entendus. On revient sur cette déclaration de M. Ambongo, qui a encore une fois de plus alerté sur la balkanisation. Lui qui parle que la situation, en tout cas actuelle, donne l'impression que voilà, il y a risque de la balkanisation qu'elle a toujours dénoncé. Donc pour lui, la balkanisation qu'elle a toujours dénoncée aujourd'hui devient de plus en plus une réalité. Je crois que autant je concède les propos du cardinal, que je respecte tellement, il est parmi les grandes personnalités de ce pays qui se donnent corps et âme en vue de l'émergence de notre pays. Mais quand même, je ne souhaite pas. Je suis parmi ceux-là qui disent qu'il ne faut pas prophétiser les chaos pour notre pays. Il ne faut pas prophétiser le mal, encore moins l'apocalypse. C'est toujours mieux d'être positif, c'est toujours mieux d'espérer à un Congo prospère, un Congo plus bon qu'avant.
Évidemment, la situation sécuritaire très tendue laisse à désirer, mais cela ne peut pas quand même nous pousser à commencer à prophétiser la balkanisation. Tout ce qu'il faut faire, c'est d'appeler le gouvernement à assurer la mission régalienne qui est la leur. Pas plus que ça, monsieur les journalistes. Donc, je pense que le cardinal... ce serait mieux et intéressant si le cardinal peut faire ou tenir des propos qui sont un peu positifs tout en dénonçant ce qu'il y a, parce qu'aujourd'hui, messieurs les journalistes, il faut le dire tout haut et très clairement, nous sommes dans une situation très compliquée. Très compliquée, et nous ne savons pas le lendemain. En tout cas, nous ne savons pas le lendemain. Voilà pourquoi est-ce que, d'une manière ou d'une autre, le cardinal peut avoir une portion de la raison. Alors, on revient un petit peu sur la table ronde. Est-ce que vous, Mouvement Citoyen, vous aviez été invité? Les Mouvements Citoyens, est-ce que nous avions été invités? Oui. Il faut dire d'abord que nous sommes parmi les acteurs majeurs dans la lutte contre le terrorisme. Et a trait effectivement à l'état de siège contre le terrorisme. Et quand il y a une grande assise... Vous luttez contre le terrorisme? Mais effectivement, est-ce que vous appuyez le terrorisme? Je ne pense pas. Comment vous luttez contre le terrorisme? Le gouvernement lui-même, à travers le porte-parole Patrick Mouya, Excellence, il avait qualifié dans une sortie médiatique la M23 des mouvements terroristes. Oui. Et quelqu'un qui... Parmi, c'est le gouvernement. Effectivement, donc Mouya représente le gouvernement, c'est la bouche autorisée du gouvernement. Et le gouvernement lui-même avait qualifié les M23 des terroristes. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec les terroristes? Mais il faut lutter contre les terroristes. Comment vous faites pour lutter contre ça? On fait de notre mieux, messieurs les journalistes. Est-ce qu'il faut exposer ici tout ce que nous faisons, toutes les tactiques? Peut-être que l'ennemi de la République peut parvenir à déclencher les grandes stratégies. Ça, on vous dira. Ça, on vous dira même inbox, messieurs les journalistes. C'est faux. Je puis vous dire qu'au Kassai, on a David. Au Kassai, on a Troed qui est parti dans l'armée. Au niveau de Beni, on a Deka. Camarades. Il y a Jospin, il y a un autre, je ne me rappelle pas les noms, et à Goma, il y a au moins 4 qui ont émis ces vœux-là, mais qui n'ont pas encore rejoint les forces armées. Est-ce qu'il faut citer encore les noms? Je puis me permettre de les citer. Deux étudient à l'Université catholique La Sapientia, et un autre, il étudie au niveau de l'Inigome. Je ne suis pas venu ici faire le culte des personnalités, mais je vous garantis, et j'ai toujours été honnête, la Lucha RDC, c'est un mouvement qui prend le valeur et les principes, notamment l'honnêteté et la sincérité. Donc tout ce que je vous dis ici, c'est vrai. Je vous mets à défi si vous voulez avoir une contre-vérité. La lucha RDC. Oui, on évolue. Arrêtez avec votre barbarico. Tu me fais rire quoi? Je salue Matou Mokamel. Effectivement, un vaillant. Vaillant qui travaille souvent aux côtés de Katumbi. Non, il ne travaille pas aux côtés de Katumbi. Vous maîtrisez bien la lucha. C'est un mouvement qui est bien structuré. On a toute une charte. Lucha, nous sommes un mouvement non partisan et non violent. Non partisan, ça veut dire on est contre quelqu'un et on est pour quelqu'un. La lucha n'a jamais été contre un individu, contre une personnalité, encore moins pour une personnalité. Nous ne sommes pas contre l'excellence Félix Tshisekedi et nous ne sommes pas pour lui. Nous sommes juste contre ou pour un système. Si c'est un système politique qui arrange le peuple congolais, si c'est un système politique qui porte les germes effectivement du développement, la lucha, elle est pour. La luchologie, je vous en donnerai une boxe. On parle un peu parce que nous restons avec une minute. C'est un sujet auquel on va aborder tout de suite là avec... d'autres camarades. Avec notre invité. 66 partis politiques retenus pour participer aux législatives. Il y a l'AFDCA du sénateur Bati Lukwebo. Il y a l'MLC de Jean-Pierre Bemba. Il y a l'IDPS de Tshisekedi. Il y a l'INC de Kamere. Il y a Ensemble de Katumbi, LGD de Matata, Envol de Sesanga, Nouvel Élan de Mouzito, voilà. Que dire, en fait, les partis qui ont atteint l'essai effectivement de recevabilité, mais ils sont carrément retenus, ça c'est la règle des jeux. Il faut rappeler que ceux qui n'ont pas atteint ces essais-là, on les exclut. Il ne faut pas pleurnicher, c'est la politique, messieurs les journalistes. Si on n'est pas l'église. Là, la VRP n'a pas aussi atteint
L'AVRP n'a pas été laissé de recevabilité. Malette, ça c'est vous, je vous concède ces mots-là. Mais ça veut dire que l'autorité morale est en train d'harmoniser. Peut-être que dans les officines politiques et dans les laboratoires politiques, peut-être qu'il va parvenir à être validé. Il faut rappeler que quand même, Ensemble qui a réussi à débaucher... Ensemble, c'est un grand parti. S'il hein. vous plaît. Oui, je sais. Je comprends pourquoi vous dites... Tout comme l'UDPS, un grand parti en RDC. On est nos partisans. S'il vous plaît. Et je parle d'Ensemble qui a réussi à débaucher certains militants. Parce qu'on a vu certains militants qui ont... Même l'AFDC a eu certains militants. Oui, c'est une précision de taille. C'est important. Je parle que... parce qu'on a vu défection de certains militants. Pas défection... N'exagérez pas dans des termes, monsieur les journalistes. La langue de Molière, elle est bonne. Elle a toute une grammaire très, très riche, monsieur les journalistes. Effectivement. C'est mieux de placer aussi les mots à leur place. La grammaire, elle est riche, non? S'il vous plaît, je parle qu'on a vu certains quand même militaires. Très vrai. Très vrai. S'il vous plaît. Neko. Ah, ça va. Je parle que certains militants de la lutte RDC qui ont réussi et qui ont fait. Défection, c'est de l'air bon. Ça, c'est votre mot. Hein? Et qui ont adhéré, ah, en tout cas, chez Katumbi, grâce peut-être à Katumbi, a réussi à hâter l'essai. Il y a aussi AFDC qui a réussi à récupérer un militant qui faisait trop de bruit à Goma aussi. Hein. Un mot quand même, félicitations quand même à vos militants. Hein. Non, je parce crois que... La rue, ce n'est pas seulement dans la rue. Hein. Dans la lucha, il y a déjà qui ont des ambitions politiques, il y a déjà qui ont des ambitions de faire l'armée, il y a d'autres qui ont des ambitions d'être des professeurs, il y a d'autres qui ont des ambitions d'être des pilotes. Alors, la lucha, c'est comme un trait, chacun... sort de là où il estime, s'il est arrivé, il sort, mais les traits continuent. Espoir Ngaloukié, qui nous a quittés, il n'est plus militant, il ne peut même pas présenter les mouvements ou parler au nom du mouvement. Il a déjà perdu la qualité. Qui d'autre? Sankara, les Vaya, tu connais le Sankara. Donc pour nous, nous les souhaitons bon va, mais ils ne sont pas suspendus. Mais c'est les gens. Il ne faut pas évoquer les noms des individus. C'est les mouvements, c'est la c'est l'île de l'outologie qui s'est prononcée par rapport à ce dossier. Nous les avions encouragés, mais nous les avions dit qu'ils ne font plus partie de la lucha. Et ça, c'est clair. Les téléspectateurs doivent comprendre que la lucha, elle reste indépendante, elle reste non partisane. Et un militant qui part en politique, il n'est plus de la lucha. Chers téléspectateurs, tous ceux dont vous voyez en politique, ils n'ont pas les mandats de la lucha et ils ne sont même pas permis de battre campagne au nom de la lucha. Si vous estimez qu'ils sont compétents et méritants, votez-les. Si vous estimez qu'Espoir Ngaloukié est compétent et intelligent, ce qui est évident, votez-les. Si vous estimez que Sankara, il est campagne, effectivement, je ne fais pas la campagne. D'ailleurs, je vous dis que nous sommes apolitiques, messieurs les journalistes. Merci beaucoup, Moïse Angui, fait de cet entretien. Merci de nous avoir regardé. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous, je vous en prie. Merci beaucoup. Ingeta, à la lucha. Mesdames et messieurs, bye et bonne journée à tous.